Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour la réalisation d'une bougie que j'ai appelée bouquet de fleurs. Je vais utiliser pour la parfumer la fragrance Mourea. Elle sera donc, la base sera verte. J'ai utilisé le colorant pour cire vert de la boutique Aromatizy. Ensuite, je viendrai mettre une meringue Parme très claire sur lequel je viendrai disposer des petites fleurs roses, blanches, rouges, oranges et des petites feuilles d'un dégradé de vert que j'ai réalisé dans la toute première vidéo. Donc je vais venir peser ma cire, mélanger correctement mes colorants et ensuite il faudra attendre pour pouvoir y incorporer la fragrance. Désolée pour ça, j'ai oublié de couper le son. Notre bougie a bien figé, même si j'avais préparé la température, etc. Ben je me retrouve avec du glaçage sur les côtés, décidément. Donc c'est pas grave. Le dessus a un petit peu craqué, ben ça c'est parce que je les bouge. Donc je vais laisser comme ça. De toute façon, on va venir mettre la meringue donc violette, réalisée avec le fuchsia de la boutique Aromatizy. Je vais donc mettre un petit peu de ma fragrance Mourea et je viendrai avec les décorations ajouter un petit peu de paillettes, lavande, également aromatisée. Voilà. Donc elle a pris une espèce de consistance crème un peu liquide. Si je remue bien, elle refond complètement. Donc je ne vais pas la battre, il y en a trop peu. Je vais essayer de la mettre en poche comme ça, quitte à attendre un petit peu une fois qu'elle est en poche pour m'en servir. Mais je pense que le temps que je mette tout, que je gratouille, etc., elle sera OP, elle sera prête. Get it.
4 bougies, bouquet de fleurs. Donc j'ai pas monté très haut la chantilly. Comme ça m'a permis de bien mettre beaucoup de déco. Avec la pointe de mon petit récipient, je vais venir disposer par petites touches des glitters. Bien sûr, il a fallu que j'en mette partout. Voilà ce que ça donne avec les glitters. Donc j'espère que cette bougie vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis également disponible sur Instagram et sur Facebook. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt, au revoir.